Alors, mon amour, alors c'était bien ton spectacle? Je te présente le docteur Krombach. C'est le papa de Léna, qui est dans la même classe que Kalinka. Oui, oui, elles sont très amies, je crois. Oui, ils s'entendent très, très bien. Léna ne me parle que de Kalinka. Salut, papa. Bonnes vacances, ma chérie. Oui, toi aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu étais là le jour de l'autopsie? Je suis médecin. Je voulais m'assurer que tout se passe bien. Arrête de mentir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Kalinka était comme ma fille. Jamais j'aurais pu lui faire le moindre mal. Je te crois pas. Le jour où je saurai ce que tu as fait à ma fille, je vais demander la réouverture de l'enquête. Même si vous avez raison sur le fond, votre plainte n'a aucune chance d'aboutir. Je vous en prie. Aidez-moi à ce que le meurtre de ma fille ne tombe pas dans l'oubli. Dieser Akt ist dafür zu dünn. Mais monsieur, c'est vous qui êtes léger, en faisant mal votre travail. C'est une honte. Mais il faut les attaquer. Qui ça? Mais tous. Décidément, vous êtes insensé. On ne se fait pas justice soi-même, monsieur Bomberski. Tu t'imagines des choses, tu es devenu fou. Lâche-moi avec cette hystérie, avec cette folie. Jamais. Il est temps que tu penses à toi, Kalinka. Elle ne t'en voudra pas.